en compagnie de Yves Kupferming qui s'est lancé dans un sympathique rendez-vous avec Jean Castaneda, le plus ancien des Stéphanois, le seul qui est toujours là en tout cas. De l'époque sont partis un à un et vous vous êtes resté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai... D'abord je suis Stéphanois, je suis né à Saint-Étienne, j'ai vécu la Coupe d'Europe glorieuse, disons, dans les tribunes, debout, derrière les buts, et c'est quelque chose que les autres joueurs n'ont pas vécu, et c'est peut-être ce qui m'a fait rester un peu pour ça, pour essayer de faire vivre aux autres jeunes Stéphanois les mêmes joies intenses que j'ai vécues. La fidélité, c'est sans doute le trait de caractère qui correspond le mieux à Jean Castaneda. Entre ces deux photos, il ne s'est écoulé que 3 ans. 3 ans qui, fait unique dans les annales de football, ont suffi à l'AS Saint-Etienne pour perdre ses joueurs, ses dirigeants, son public, mais aussi une aura exceptionnelle qui faisait des Stéphanois de véritables dieux vivants. Avant et pendant le naufrage, tout le monde a quitté le navire. Lui a préféré rester, malgré d'alléchantes propositions de plusieurs clubs étrangers. L'étranger, c'est bien, mais c'est loin de beaucoup de choses, et notamment loin de ma région, loin de ma maison, de ma famille. Et je crois qu'avant de partir à l'étranger, il faudrait que je n'ai vraiment plus rien espéré du football français, et enfin du football français, du football stéphanois surtout, puisque je ne vois pas mon avenir dans un autre club. Le football français, Jean Castaneda le connaît bien, puisqu'en 5 ans, il a vécu tout ce que ce sport peut apporter comme joie, mais aussi comme peine. Ses débuts sous le maillot professionnel remontent à 1980. 3 journées après le début du championnat, Robert Herbin décide de le lancer dans le Grand Bain, où il succède au monument qu'était alors Ivan Kurkovic. Ivan Kurkovic m'a apporté énormément, mais disons, m'a surtout apporté parce que j'ai su le regarder, c'est-à-dire que quand il y avait un match à Saint-Etienne, j'étais dans la tribune de presse et je regardais quoi qu'il se passe devant, quoi qu'il se passe sur les buts adverses. Je regardais le comportement d'Ivan Kurkovic, ce qu'il faisait, comment il le faisait et pourquoi il le faisait. Et les leçons du maître ont été profitables puisqu'en 6 mois, Castaneda passe de l'anonymat le plus complet à la célébrité. La Coupe d'Europe avec Saint-Etienne, mais surtout l'équipe de France lui ouvre les bras le 18 février 81 pour un France-Espagne amical. Pourtant, l'histoire d'amour entre lui et l'équipe de France est de courte durée. Après 9 sélections, c'est devant sa télévision qu'il vit la suite des aventures tricolores. Il y a eu des circonstances, un concours de circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé en équipe de France. Et il y a un concours de circonstances qui fait que je me retrouve en deuxième division à l'heure actuelle. Et l'équipe de France n'est pas trop compatible avec la deuxième division. Ce que Castaneda appelle un concours de circonstances, d'autres l'ont appelé la crise. Une crise qui, en 2 ans, a conduit les Verts du sommet à l'enfer de la deuxième division. La crise avec tout ce qu'il y a eu autour, je crois que, bon, surtout cette descente en deuxième division, ce phénomène d'insécurité qui a plané sur nous pendant 2 ans, parce qu'il y a eu beaucoup de remous, beaucoup de déclarations disant que le club allait déposer le bilan. Et je crois que c'est très pénible, quoi, de vivre comme ça au jour le jour sans savoir de quoi sera fait le lendemain. Et obligatoirement, on change énormément. À travers la crise, Castaneda a beaucoup mûri. Timide et effacé à l'époque du Grand Saint-Étienne, aujourd'hui, il est devenu le véritable patron. Il faut dire que ses équipiers ne s'appellent plus Platini, Larios ou Lopez, mais Clavelou, Primar, Ferry et Bellus. Avec les autres joueurs d'expérience que sont Didier Gilles, Robert Sabbe et Roger Milla, son rôle est d'encadrer ses jeunes équipiers, un rôle qu'il prend très au sérieux. On peut parler de gens, mais surtout en dehors du terrain, parce qu'il est aussi assez présent, il n'hésite pas à venir nous conseiller ou à répondre à nos aspirations lorsqu'on lui pose certaines questions plus ou moins sur le métier. Et puis bon, son expérience des grandes rencontres et des grands matchs fait qu'il nous apporte aussi à ce niveau-là une certaine sérénité. Tout ce qui s'est passé avant, je suis arrivé dans une équipe qui tournait, dans une équipe où il y avait des vedettes, où j'étais gardien de but. Il y aurait eu un autre gardien de but, ce serait peut-être passé pareil. Et alors que cette année, je crois que mon rôle est beaucoup plus important. Je suis un peu le cadre de cette équipe avec Didier Gilles, Roger Milla. Et donc, à ce titre-là, nous devons apporter plus, nous devons former notre équipe. Ce que les autres avaient fait, je veux dire les autres, Ivan Kurkovic, Osvaldo Piazza, Lopez, avaient fait en leur temps, nous on doit le faire maintenant. Et vraiment pour nous, c'est le départ d'une carrière. De sa carrière, si Jean Castaneda en parle sans amertume, c'est peut-être parce que le football ne représente plus toute sa vie. Associé à une 20aine d'autres footballeurs, il a décidé de prendre en charge dès aujourd'hui sa future reconversion.
Un projet ambitieux qui débute par la construction et la gestion d'un immense village de loisirs dans la vallée du Lot. Qui a été organisé à Cajar. Ce qui fait réfléchir aussi, c'est de voir tous ces gens qui sont autour de nous, qui travaillent toute leur vie et qui, à la fin de leur vie, n'ont pas grand-chose. Je veux dire, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui vivent pendant 50 ans de la même façon, et c'est ce que je redoute le plus. Rassuré quant à son avenir, Castaneda s'apprête à vivre sa deuxième saison en deuxième division. Et en dépit des échecs en championnat et en coupe, cette année s'est avérée positive. Elle lui a permis de retrouver le sourire et l'ambition. Je n'ai pas le sentiment d'être passé à côté d'une grande carrière. Vous savez, on dit toujours que les gardiens de but ont leur maturité à 28 ans. J'ai 28 ans, donc je peux considérer aussi que ma carrière va commencer maintenant.